Salut, salut les gars, voilà, ça toujours moi, Sam Ospita, et là, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, comme d'habitude, voilà, vous savez déjà ce qu'on doit faire, essayez de liker la vidéo, essayez comme ça de vous abonner, et si ce que je fais et je mets en ligne vous rend un grand service, essayez aussi de partager mes vidéos pour que ceux qui ont vraiment besoin de ces informations-là puissent les utiliser à bon escient. Voilà, donc, aujourd'hui, on a une grande nouvelle, voilà, Campus France a démarré, et Campus France a démarré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme de baccalauréat ou bien ceux qui vont obtenir leur diplôme de baccalauréat cette année peuvent déjà essayer de s'enregistrer sur leur site, et le site je vais mettre en commentaire ou bien dans la description. Vous allez pouvoir cliquer dessus et puis allez-y vous abonner pour pouvoir postuler à Campus France. Et Campus France, c'est quoi? Vous savez déjà que étudier en France, c'est une grande opportunité. Pourquoi? Parce que les coûts là-bas, ça fait partie des. La France fait partie des pays qui sont un peu plus allégés, voilà, qui allègent un peu les frais de scolarité en ce qui concerne les études pour les étudiants étrangers. Parce que si vous avez bien remarqué, les étudiants étrangers pour étudier ailleurs en Europe, c'est hyper cher. Voilà, donc la France fait partie des pays comme ça qui ont allégé un peu les frais de scolarité. Donc, ceux qui vont avoir l'opportunité d'aller y étudier auront vraiment un grand privilège d'étudier dans un bon endroit et aussi de pouvoir mieux étudier et payer moins. Voilà, donc, quand je dis payer moins, c'est en fonction des autres pays européens que je parle. Voilà, donc, comme je le disais, pour pouvoir postuler à Campus France, vous devez avoir minimum le bac. Mais si vous êtes, par exemple, comme ça, en année de bac et que vous allez peut-être faire votre bac l'année prochaine, c'est-à-dire en juin 2024, voilà, vous pouvez déjà postuler sous couvert du baccalauréat, comme ça. Ou si vous êtes sélectionné par rapport à vos bulletins, vous serez maintenant, après, obligé de déposer le bac pour pouvoir soumettre auprès de l'institut qui s'occupe des étudiants en France. Voilà, donc dans un premier temps, je vais essayer comme ça de vous donner un peu des documents que vous allez avoir besoin pour pouvoir postuler à Campus France. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que lorsque vous allez arriver sur le site, par exemple, de Campus France, vous allez voir que quand vous sélectionnez votre pays, il y a un bon nombre de documents qui s'affichent. Donc, pour pouvoir postuler, si vous avez l'attestation d'identité, ça passe, une carte d'identité, ça passe. Si vous avez, par exemple, comme ça, un passeport aussi, ça passe. Et comme je l'ai dit, lorsque vous allez cliquer sur votre pays, le nombre de documents qui doivent vraiment s'afficher là-bas, si vous avez l'un de ces documents-là, voilà, vous pouvez l'insérer pour pouvoir continuer et postuler pour Campus France. Et c'est après admission dans une université que vous allez maintenant devoir présenter un passeport. Donc, si vous n'avez pas de passeport actuellement, vous commencez déjà à demander le passeport dans votre pays, mais vous pouvez postuler avec une carte d'identité ou bien un certificat d'identité. Voilà, donc c'est assez important. Et une fois que vous avez fini de faire ça, maintenant, qu'en est-il du document, du diplôme que vous devez soumettre pour pouvoir postuler? C'est quoi? Dans un premier temps, si vous voulez faire la licence, vous allez présenter comme ça votre diplôme de baccalauréat et le relevé de baccalauréat, et vous allez associer avec les 3 années passées, c'est-à-dire de la seconde jusqu'à la terminale. Donc vous devez avoir les relevés de la seconde jusqu'à la terminale. Voilà, n'oubliez pas, après cette vidéo-là, je vais faire une vidéo pour montrer un peu comment est-ce qu'on postule. Mais déjà, si vous pensez que vous pouvez déjà postuler, vous allez postuler vous-même. Et si vous pensez que on peut vous aider vraiment à le faire, vous nous écrivez inbox au numéro qui se trouve là. On va essayer de parler et essayer aussi de vous aider à pouvoir mieux postuler parce qu'on a l'expérience dans le domaine. Voilà, il ne faudrait pas faire des erreurs. Vous allez penser que vous avez bien postulé alors que ce n'est pas le cas. Donc, les documents, comme je l'ai dit, si par exemple vous voulez faire la licence, vous devez envoyer les 3 années passées, c'est-à-dire de la seconde jusqu'à la terminale.
Et si, par exemple, vous voulez faire le master, alors vous déposez juste les diplômes et relevés de licence, c'est-à-dire la licence 1, licence 2, licence 3 et le diplôme de licence. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire un doctorat, je le rappelle encore très bien, ceux qui veulent faire le doctorat, ce n'est pas ici que vous devez passer. Avec Campus France, c'est plus la licence, le BTS et puis le master. Si vous voulez faire un doctorat, ce que vous allez faire très simple, vous passez par Campus France, mais vous ne postulez pas Campus France. Vous allez à Campus France, vous voyez les universités qui existent, voilà, et dans ces universités-là, vous allez comme ça voir les universités qui sont liées à Campus France, ou bien même qui ne sont pas liées à Campus France, et ces universités-là, vous les contactez directement. Et lorsque vous allez les contacter directement, vous allez pouvoir soumettre votre candidature. Si le thème que présente cette université-là est en conformité avec ce que vous cherchez, c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir demander à cette université une candidature, voilà, une admission pour que vous puissiez aller là-bas pour aller suivre votre thème ou bien pour aller suivre vos cours et finir vos années de doctorat. Voilà, c'est assez important. Vous n'êtes pas seulement obligé de prendre une université qui est reliée à Campus France, non. Vous n'êtes pas obligé. Et même, je donne de l'astuce à ceux, par exemple, comme ça, qui font Campus France. Si vous faites Campus France, vous allez voir que lorsque les universités que vous allez choisir, vous allez voir des universités qui sont liées à Campus France et des universités qui ne sont pas vraiment liées à Campus France. Donc, pour pouvoir privilégier un peu votre candidature, essayez aussi de prendre des universités qui sont liées à Campus France et au moins deux universités qui ne sont pas liées à Campus France. Vous voyez, vous pouvez les choisir. Et si vous les choisissez, vous allez au moins préserver votre admission au cas où les universités qui sont liées à Campus France ne vous choisissent pas. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a plusieurs étudiants comme ça qui se fixent sur les universités publiques. Voilà. Donc, lorsque vous vous fixez sur les universités publiques, c'est normal parce que les universités publiques sont moins chères que les autres universités. Voilà, on va essayer de parler terre à terre pour ne pas vraiment se voiler la face. Et il y a une chose aussi que je vous l'ai dit, n'oubliez pas, c'est vraiment important, essayez de choisir au moins une université qui n'est pas liée à Campus France. Comme ça, vous allez réserver ou bien préserver votre admission. Et ce que je voulais dire aussi, c'est vrai, on parle, mais il y a des choses, il y a des évidences. Il y a des universités qui acceptent facilement les étudiants étrangers. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face pour dire non, ça, c'est sûr et certain. Il y a des universités qui ont assez de quotas pour pouvoir récupérer ou bien pour pouvoir sélectionner des étudiants étrangers. Donc, essayez de faire une bonne sélection, vraiment, pour ne pas perdre le temps en train de remplir des choses que vous n'allez pas pouvoir le faire. Voilà, donc, mettez les chances vraiment de votre côté, c'est assez important. Voilà, donc, c'est un peu ça. Et c'est toujours moi, de savoir ce plus tard. Et je voulais aussi rappeler, pour une personne qui m'avait posé la question, est-ce que si on est en licence 2, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous êtes en licence 2 actuellement et que vous avez la licence, si vous avez obtenu la licence 2 actuellement, alors, vous devez soumettre les deux relevés de licence, c'est-à-dire licence 1, licence 2, et vous devez compléter avec le diplôme de baccalauréat et le relevé de baccalauréat que vous avez eu. Voilà. Donc, n'oubliez pas, à chaque instant, ça doit faire 3 années. Si vous êtes en master 1, vous devez reculer de 3 années pour pouvoir mettre ces documents-là. Voilà. Donc, les gars, c'était moi de Samuel Spita. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo où je montre comment est-ce qu'on postule à Campus France. Mais ceux qui sont intéressés pour qu'on puisse suivre les dossiers, nous sommes là. Et nous sommes très ouverts, on peut discuter avec vous et on peut essayer de suivre vos documents. Les gars, c'était moi et puis surtout, prenez soin de vous.